Si tu considères qu'il y a une quête pour atteindre le bonheur, ça veut dire qu'il y a un point de départ qu'on va marquer. Salut Master, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va essayer de voir de façon extrêmement simple ce que c'est que la quête du bonheur. Pour ça, je vais te faire un petit schéma, mais avant ça, on va revoir la base des enseignements bouddhistes. Alors, moi je te parle de méditation, mais je n'ai pas forcément vocation à te transmettre des enseignements religieux, mais on ne peut pas nier le lien profond qu'il y a entre la pratique méditative et les enseignements bouddhistes. Et c'est pour cette raison que je te parle de ça. Il y a aussi dans ces enseignements énormément de bon sens, et donc c'est facile de le comprendre et de se l'approprier. Donc le premier de ces enseignements, c'est les quatre nobles vérités du Bouddha. Ces quatre nobles vérités sont basées sur de la connaissance. La différence qu'il y a entre la connaissance et le savoir, c'est que la connaissance, on l'acquiert par l'expérience. Donc tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est quelque chose que tu peux expérimenter toi-même par le simple acte de l'observation. L'observation de quoi? L'observation de la vie qui est à l'intérieur de toi. Donc si tu ouvres un espace simplement pour observer la nature de ton existence, tu vas pouvoir vérifier ce que je vais te dire. La première noble vérité, c'est la constatation de l'existence du mal-être ou de la souffrance. Alors, de par le simple fait d'observer la vie, on se rend compte qu'il y a de la souffrance. La vie est faite de souffrance. L'acte de naissance, par exemple, quand une maman donne naissance à un bébé, il y a de la souffrance dans les deux camps. Ensuite, il y a la vieillesse, la maladie, puis la mort. Et il y a toutes les douleurs psychiques, toutes les souffrances psychiques, comme la frustration, par exemple. Donc, lorsqu'on observe sa propre existence de façon objective, on peut constater cette vérité, la vérité de l'existence du mal-être. La deuxième noble vérité, c'est qu'il y a un chemin, une origine, une cause au mal-être. Et donc, encore une fois, par l'acte d'observation de soi, eh bien, on peut explorer et on peut déterminer et identifier quelles sont ces causes. Et là, on observe que c'est la soif, la faim qui est en nous. La faim de conquête, la faim de pouvoir, les désirs de sensation, les désirs d'expérience, la volonté profonde que l'on a de vouloir atteindre un but, d'être reconnu, d'être approuvé ou validé. Tout ça, ce sont des quêtes, des chemins qui mènent à la souffrance. Ensuite, il y a la troisième noble vérité, et c'est là qu'intervient l'espoir. On constate également qu'il existe un bien-être, un nirvana. Le Bouddha dit que le seul moyen d'atteindre ce bien-être, c'est de le trouver ici et maintenant. Et dans cette idée de ici et maintenant, évidemment, il y a une affaire d'attention, il y a une affaire de présence. Et donc l'idée, c'est de réussir à être présent, mais présent en conscience. C'est pour ça qu'on souvent on fait référence à l'état de pleine conscience lorsqu'on parle de méditation, puisqu'on cherche à ramener son esprit au moment présent. Et à mesure que l'on s'observe, on constate que le chemin de la souffrance est un chemin qui est emprunté par les pensées, par les désirs, par les recherches de sensations. Et le chemin qui mène au bien-être, au nirvana, est lui, au contraire, toujours présent. C'est-à-dire que la recherche du bonheur ne peut se faire qu'au moment présent. Et ce moment présent ne peut être vécu qu'avec de la conscience. Pas besoin de pensée, pas besoin de désir, pas besoin de sensation. Alors pour mieux comprendre ça, je vais te faire un petit schéma. Si tu considères qu'il y a une quête pour atteindre le bonheur, ça veut dire qu'il y a un point de départ qu'on va marquer sur ce schéma qui va s'intituler le chemin du bonheur, le point de départ. On va dire que tu vises la lune. Alors le bonheur pour toi, c'est d'atteindre la lune. C'est ta destination. Entre ton point de départ et cette lune, il y a donc un chemin, il y a une distance.
Et là, si tu observes attentivement ce chemin, tu vas constater simplement et logiquement qu'il y a en fait une séparation entre le point de départ et l'objectif. Ça veut dire que cette vision d'atteindre le bonheur comme un objectif, comme une destination, est une vision dualiste, puisqu'il y a une séparation entre le bonheur et le chemin qui mène au bonheur. Ça veut dire que le chemin qui mène au bonheur n'est pas le bonheur lui-même. La vision bouddhiste nous inspire vers quelque chose de différent. Elle dit qu'il n'y a pas de chemin. Elle dit qu'il n'y a pas de quête. En réalité, le chemin est le bonheur lui-même. Ça veut dire que la lune est déjà présente au point de départ et à toutes les étapes du chemin. Et c'est ça l'enseignement le plus important pour commencer. C'est de prendre conscience qu'il n'y a pas de distance entre le bonheur et nous, qu'il n'y a pas de distance entre le moment présent, la quête et la destination. Tout ça se trouve exactement dans le même point. Et la difficulté, c'est de réussir à trouver ce point, à le vivre, à vivre ce bonheur. Parce que, encore une fois, s'il y a un chemin à prendre, ça veut dire qu'il y a une destination et donc que cette destination n'est pas présente actuellement. Or, le bonheur n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu. Il ne peut pas être matérialisé par des circonstances. Le bonheur, il est intrinsèque à la nature de l'être, et donc on peut retrouver ce bonheur maintenant, et ça prend quelques secondes. Alors je sais que ce concept peut paraître abstrait pour beaucoup de gens, et je sais que lorsqu'on parle du bonheur, on regarde notre situation dans le moment présent. On se dit voilà, il me manque ça pour être heureux, il me manque telle relation, il me manque telle situation, il me manque des biens matériels, il me manque de la reconnaissance, il me manque de l'argent, il me manque une forme de validation, une approbation. Et on va aller chercher dans les circonstances extérieures la quête du bonheur. Et en fait, toute cette recherche, c'est ça le chemin qui mène à la souffrance, puisque c'est le chemin de la dualité, c'est le chemin de la séparation. À partir du moment où je considère que je suis séparé des choses, je suis séparé de mon objectif, je ne suis donc pas l'objectif, et donc je suis dans une quête qui en fait me mènera toujours à la souffrance, à l'insatisfaction, à la frustration, etc. Et le chemin du bonheur est en fait un chemin qui est extrêmement simple, mais qui ne peut être vécu que par l'expérience du moment présent. Et cette expérience du moment présent ne peut être vécue que en conscience. Donc nécessairement, on doit être conscient, présent, attentif pour trouver ce bonheur à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Et c'est là que réside la base de l'enseignement bouddhiste. Et c'est l'un des grands principes qui pousse les pratiquants de méditation à essayer de retrouver ce fameux moment présent. Parce que c'est dans le moment présent que se trouve le bonheur. Il n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas de quête, il n'y a pas de chemin. Toutes les quêtes et tous les chemins mènent à la souffrance, car le bonheur n'existe que maintenant, dans le présent. Voilà ce que je peux te dire. Voilà comment on peut explorer simplement des enseignements vieux comme le monde et en quelques images comprendre quelque chose qui est pourtant extrêmement simple et tellement difficile à intégrer. C'est difficile à intégrer parce qu'on vit actuellement dans une société qui nous sollicite énormément et parce qu'on a l'impression que notre satisfaction ne peut être atteinte que par la réalisation de tout un ensemble d'objectifs, de buts et de chemins et de quêtes, etc. Et ça, c'est une vision dualiste, et cette vision dualiste nous mène à la souffrance. Donc en cherchant à atteindre le bonheur, en fait, on s'en éloigne. Parce que le seul moyen de le retrouver, c'est d'être présent, à maintenant.
Donc maintenant, je vais vous laisser et je vous invite vraiment, lorsque vous allez pratiquer votre méditation, à essayer d'intégrer ça. Si vous avez un but, si vous avez un objectif, si vous avez des attentes, observez ces attentes, observez ce but, observez cet objectif et essayez simplement de ressentir maintenant le bonheur. Parce que le bonheur est dissocié du but, il est dissocié de l'objectif. Et vous verrez que les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui sont toujours projetés à travers des attentes, ce sont ceux qui sont le plus présents à toutes les étapes du processus. Maintenant, j'entends le silence reprendre sa place. J'espère que ce que je t'ai dit sera entendu. Le calme ouvre un espace. Je te laisse. Médite là-dessus.